sengi ngolu na yo kati na bomo inanga na kangami na pasi onde mombiki sinanga sembola loboko na yo. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir. Lui qui permet à ce que nous puissions encore entrer dans cette chambre de restauration afin d'être restaurés. Lui qui nous a encore réservé un grand miracle dans nos vies au travers de cette chambre de restauration. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce soir. Nous te recommandons ce temps. Nous te confions nos cœurs. Nous te consacrons nos vies. Nous prions, ô Dieu, que chacune des personnes qui entrera en contact avec ta parole ce soir soit restaurée. Que ce soit réellement un rendez-vous de restauration, d'encouragement pour quiconque entrera en contact avec cette parole. Car nous le croyons, aucune parole ne sort de ta bouche sans qu'elle n'ait un effet sur nos vies. Alors merci Seigneur pour ce soir. Et merci pour l'effet de ta parole dans nos vies. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 16. Nous lirons le troisième et le quatrième verset. Et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Amen. La très grande pierre qui bloque ton sera roulé ce soir. Alléluia. Alors nous connaissons tous cette histoire. Christ est crucifié. Et on l'a enterré. On est allé le placer dans le sépulcre. Et la personne qui a placé Christ dans le sépulcre, c'était Joseph. Lorsqu'il l'a déposé, il a fermé la porte et il a roulé une grosse pierre devant la porte. Alors ce qui nous intéresse ce soir, les femmes qui sont allées embaumer le corps de Jésus, lorsqu'elles arrivent, en chemin, elles se rendent compte que là où nous allons, nous aurons une difficulté. On n'a pas la force de rouler la très grosse pierre qu'on avait placée devant la porte. Alors elles sont en train de se demander entre elles, qui va nous rouler cette pierre? Et la bonne nouvelle n'est pas loin. Lorsqu'elle lève les yeux, elle voit que la pierre avait déjà été roulée. Amen, amen. Amen. Alors encore une fois ce soir, laisse-moi te dire, la grosse pierre, la très grande pierre qui est devant ton chemin sera roulée ce soir. Amen. Amen. Alors cette très grosse pierre, c'est quoi? Ces femmes ont un objectif. Elles sont en train d'aller embaumer le corps de Jésus. Et leur objectif est clair.
et ce qu'elles vont faire, c'est une bonne chose. Na ile waliweza kwenda kufanya ilikuwa kitu kizuri. Mais entre là où elles se trouvent et leur objectif, lakini pahali walikuwa na kule kulikuwa shabaha yao, il y a un obstacle. Kulikuwa kishiki kimoya. Et c'est cette très grosse pierre. Ni iki kiriwe kinene. Mais lakini, ce qui nous intéresse et ce qui est très bien, ile inatuelekea kabisa, et j'ai beaucoup aimé kabisa, na nilipenda kabisa, c'est que avant même qu'elle ne finisse de trouver la réponse, ata bado hawajapata jibu, avant même qu'elle commence à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va appeler quelqu'un pour nous aider, elles ont levé les yeux et elles ont vu que la pierre n'était plus là. Wafikiri nani atakuwa kuwasaidia, lakini wakati walinua macho waliona kwamba jiwe lilikuwa limeshaondoka. Alors ce soir, sasa mangaribi ya leo, notre thème c'est la fidélité de Dieu. Kishina ketu, le fondement de notre thème de ce soir. Musingi wa kishina ketu kia mangaribi ya leo, uaminifu wa Mungu. Et c'est lui-même qui a fait la promesse. Ni yeye mwenyewe aliyofanya ahadi. Celui qui a fait la promesse. Ni yeye mwenyewe aliyofanya ahadi. Le fera. Atayafanya. Alors je suis en train de répondre sasa, ni kunenda kujibu, à quelqu'un qui est en train de se poser la question. Kwa ule mutu eko na juuliza, qui nous roulera la grande pierre? Ni nani ula tatuondeshia iwe jiwe kubwa? Ta réponse ce soir, jibu yako mangaribi ya leo, est que celui qui a fait la promesse le fera. Ule aliofanya ahadi atayafanya. Amen, amen. Amen. Alors c'est quoi cet obstacle, cette pierre? Qu'est-ce que cette pierre peut représenter pour nous aujourd'hui? On a dit que ces femmes sont en train d'aller vers un objectif. Et tu es là, tu as des objectifs que tu poursuis dans la vie, tu as des rêves. Tu as des projets. Et mieux encore, il y a des promesses que Dieu a faites dans ta vie. Et lorsque tu es en train de marcher vers tes promesses, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se lève. Et subitement tu te demandes, mais qui va m'enlever cet obstacle de mon chemin? Qui est-ce qui va me rouler cette pierre? Et cette pierre, ça peut être quoi? Tu peux avoir un projet et puis subitement tu as des problèmes de santé. Tu n'as plus la force de continuer à travailler pour atteindre tes objectifs. Dieu t'a fait une promesse très grande. Mais quand tu avances, tu te rends compte que tu n'as pas le diplôme qu'il faut pour entrer dans la carrière que Dieu t'a montré. Tu es peut-être en train d'étudier. Tu as des grands projets, tu veux devenir un grand médecin. Et tu te rends compte que la personne qui supporte tes études vient de décéder. Et tu te retrouves buté à une difficulté. Cette difficulté s'appelle la très grande pierre. Alors tu commences à te demander, qui me roulera cette très grande pierre afin que je puisse entrer dans ma destinée, afin que je puisse atteindre ma promesse, afin que je puisse saisir les grâces et les bénédictions que Dieu m'a données. Alors ce soir, Dieu m'a envoyé te dire, quel que soit le nom, quelle que soit la forme, quelle que soit la nature de l'obstacle devant toi, Dieu m'a envoyé te dire une chose, la pierre sera roulée. Alors arrête de te poser la question. Parce que derrière la pierre, toi tu as un témoignage que tu vas raconter. Et il y a des pierres bien-aimées que tu peux enlever. Amen. Ah, j'ai aimé cette révélation. Lorsque tu es en train de marcher, tu te retrouves devant des obstacles dans la vie. Laisse-moi te dire qu'il y a des pierres que tu peux enlever. Et il y a des pierres dont Dieu s'occupe lui-même. Alors les pierres que tu peux enlever, c'est quoi? Je vois une histoire dans la Bible. Ninaona hadithi katika Biblia. On apporte un paralytique à Jésus. Wanamleta mtu mkiwete kwa Yesu. Alors,
Toutes les personnes qui sont là s'attendent à une chose. Ils s'attendent à un miracle. Mais la première étape de Jésus, il est en train de dire, tes péchés sont pardonnés. Wow. Alors la personne se demande, mais moi j'ai besoin de marcher et toi tu es en train de me dire que mes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Le péché peut être une grande pierre sur ton chemin. Avant d'entrer dans ta destinée, il y a des miracles dans ta vie. Avant de les saisir, tu dois toi-même te charger d'enlever la grande pierre qui est sur ton chemin. Et cette grande pierre pour toi, je te donne un simple exemple, le péché. Le péché est un grand exemple de grande pierre que nous pouvons enlever. N'avez-vous pas entendu dire que une personne qui est restée malade très longtemps, elle a marché dans plusieurs hôpitaux, on a fait des examens et des examens, bu des produits et des produits. Le jour où il entre à l'église, on lui dit, mon frère, il y a quelqu'un dans ta famille qui t'avait tellement blessé que tu ne lui as jamais pardonné. Dieu veut que tu puisses pardonner à cette personne. Et paf, le miracle arrive. Dès que la personne pardonne, sa santé est restaurée. Amen. Amen. Cette grande pierre, il l'a enlevée lui-même. Lorsque tu te mets en position, tu enlèves certaines choses qui constituent un obstacle à ta destinée. Dieu va agir. La pierre sera roulée. Alors tu vas toi-même enlever cette pierre. Et nous avons un exemple dans la Bible. Lazare est mort. Alors il y a un groupe de gens qui vont accompagner de Jésus. Et lorsqu'ils arrivent, Jésus n'a pas dit, Pierre, déplace-toi. Jésus a dit, enlevez la pierre. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des pierres dans notre vie que nous pouvons enlever nous-mêmes. Alors pour entrer dans ton miracle, il y a des choses que tu peux enlever toi-même. Cette haine-là contre ton frère, tu peux l'enlever et entrer dans ton miracle. Cette colère-là que tu as contre la personne qui t'a empêché d'évoluer dans le travail, tu peux l'enlever et saisir ton miracle. Cette jalousie que tu as dans ton cœur lorsque tu vois les autres évoluer et toi tu ne marches pas en avant, tu peux l'enlever et entrer dans ta destinée. Bien-aimé, ce soir, laisse-moi te dire, il y a des pierres que tu peux enlever. Amen, amen. 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 Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour nous montrer que il y a des choses que nous pouvons faire. Mais une parenthèse très importante. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette pierre dont Dieu lui-même se charge. Dieu lui-même s'occupe d'enlever la pierre. Amen, amen. Amen. Alors, la pensée de ce soir, lorsque Dieu se charge d'enlever la pierre, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quelle est l'interpellation qui est derrière ça? Notre Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Alors, ce que j'ai aimé dans la fidélité de Dieu, ces femmes sont en train d'aller pour embaumer le corps de Jésus. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'elles sont en chemin,
Lorsqu'elles sont en train de se demander qui va me rouler la pierre, Christ est déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va embaumer un vivant? Donc il y a des choses pendant que nous sommes en train de nous poser des questions. Dieu a déjà résolu le problème. Amen. Amen. Alors il y a quelques faits sur la fidélité de Dieu que j'aimerais que nous puissions prendre avant d'évoluer. La fidélité de Dieu est infaillible. La fidélité de Dieu est infaillible malgré les obstacles. Il y a une très grosse pierre. Et nous l'avons dit au début, ce texte nous parle de la résurrection de Jésus. Donc derrière la grosse pierre, il y a la résurrection. Derrière la grosse pierre, il y a un Christ vivant qu'on avait déposé mort. Amen. Donc la pierre n'a pas empêché Christ de ressusciter. Et nous savons que Christ a été ressuscité comme cela avait été promis. Qui nous ramène à dire que notre Dieu reste fidèle à ses promesses, même quand nous rencontrons des obstacles sur notre chemin. Alors cette pierre qui n'a pas empêché Christ de ressusciter n'empêchera pas ta promotion. Cette pierre qui n'a pas empêché Christ de ressusciter n'empêchera pas ton mariage. Cette pierre qui n'a pas empêché Christ de ressusciter ne t'empêchera pas d'entrer dans ta destinée. Alors nous disons, notre Dieu reste fidèle malgré les obstacles. Alors une deuxième pensée par rapport à la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre mémoire. Elle ne dépend pas de notre mémoire. Alors pourquoi nous disons ça? Les femmes sont en train d'aller embaumer Jésus. Mais ces femmes qui étaient tous les jours avec Jésus savaient très bien parce que Christ leur disait, on va m'enterrer et le troisième jour je vais ressusciter. Alors ces femmes qui étaient en train d'aller, en réalité elles avaient perdu de vue que c'était déjà le troisième jour. Elles sont en train d'aller pour embaumer Jésus. Elles ont perdu de vue que c'était déjà le troisième jour. Ah, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas perdu de vue que c'était le troisième jour. Amen. Amen. Alors pendant que les femmes étaient en train de s'affairer et de se tourmenter avec une question qui avait déjà une réponse, Dieu n'avait pas perdu de vue que c'était le troisième jour. Et donc Dieu a agi selon le plan. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as perdu la mémoire, il y a des choses qu'on t'a dit en 2002, en 2001. Tu as tellement attendu. Tu as même oublié. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas oublié. Laisse-moi te dire que la fidélité de Dieu ne dépendra jamais de ta mémoire. Si toi tu as oublié les promesses de Dieu, Dieu ne les a pas oubliées. Alors pourquoi nous sommes en train de dire toutes ces choses? Pourquoi est-ce que cette fidélité de Dieu est infaillible? Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. L'homme peut oublier.
Vous savez, il y a des choses que nous entendons de la part du Seigneur. Comme on vient de le dire. Et nous entendons tellement des choses. Et il y a certainement des choses qu'on oublie. Mais l'homme peut oublier ce qu'il a entendu. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Amen, amen. Amen. Alors pendant que nous sommes en train de vaquer à nos occupations, wakati, nous vivons normalement. La Bible nous dit dans Jérémie 1 au verset 12 que Dieu veille sur sa parole. Amen. Toi, tu as entendu le Seigneur, tu as continué à marcher. Mais lui, il a parlé et il est resté en train de regarder sa parole. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Wow, quel Dieu merveilleux. Ah, Mungu mzuri. Dieu n'oublie jamais. Pendant que toi, tu continues à marcher, pendant que toi, tu continues à travailler normalement, tu as entendu la promesse, tu as dit oui, amen, et tu as continué à vivre normalement. Dieu, lui, il n'a pas continué à vivre normalement. Il a dit, j'ai déjà parlé. Maintenant, j'observe. Il regarde sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si tu ne peux pas compter sur ta mémoire, compte sur la mémoire de Dieu. Si toi tu ne peux pas avoir confiance en ta mémoire, compte sur la mémoire de Dieu. Lakini utumainie hiyo mémoire ya Mungu. Ésaïe 49 au verset 15 quelque part là est en train de nous dire. Isaïa makumi ine na kenda mustari wa 15. Que une femme oublie-t-elle son enfant? Mwanamke anaweza kusahau mwanake? Et même si vous trouvez une femme qui peut oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Parce que j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Alléluia. Amen. Alors notre Dieu est tellement fidèle. Sa fidélité ne faillit pas. Parce que sa mémoire ne faillit pas. Il n'oublie jamais. Il a déjà tout mis en œuvre pour que sa promesse ne passe pas sans être accomplie. Et pourquoi encore la fidélité de Dieu ne faillit jamais? Parce que Dieu tient à sa gloire et à son honneur. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 42, 8 et 9. Et c'est pour ça que David peut prier en disant, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta fidélité. Donc la fidélité de Dieu est lié à son honneur. Il ne veut pas partager sa gloire. Il ne veut pas que quelqu'un vienne dire que c'est lui qui a fait alors que c'est Dieu lui-même qui a fait. Il est en train de dire ces promesses que vous avez vues s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a annoncées avant moi? Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Mupendwa, tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Alors cette fidélité de Dieu sera la base de notre prière ce soir. Sera la base de notre prière ce soir. Nous avons vu que les femmes ont trouvé un obstacle. Toi et moi, sur notre chemin, nous rencontrons des obstacles. Et parfois, nous nous demandons même si Dieu avait réellement fait la promesse. Et nous nous disons, est-ce que ce prophète-là n'est pas un aventurier par hasard? Tellement nous avons attendu. Mais entre la promesse
lakini kutokea hiyo ahadi et l'accomplissement de la promesse na kufika kutimilizika kwa ahadi, il y a deux choses. Kuna kuwa vitu viwili. Il y a la fidélité de Dieu. Kuna kuwa waminifu wa Mungu. Et il y a une deuxième chose que nous allons découvrir. Na kuna kuwa kitu kia pili kile tunaweza kufunuku. C'est la foi. Ni imani. C'est la foi. Ni imani. Bien-aimé. Mupendo. Ces femmes au wanamke se sont posé la question. Walijiuliza. Qui nous roulera la pierre? Ni nani atatuondoshia jiwe? Elles ne sont pas posé la question. Awakujiulize. Et puis se sont retournés pour rentrer. Na waka jungluka na kurudia. Parce qu'elles savaient qu'elles n'allaient pas avoir la force d'enlever la pierre. Walijua ya kwamba watajiweza kutosha hiyo jiwe. Elles se sont posé la question et elles ont continué à avancer. Walijiuliza lakini waliendelea mbele. Ça c'est la foi. Hiyo ni imani. Bien-aimé. Mupendwa. Quels que soient les obstacles. Ingawa bikwazo. Continue d'avancer. Endelea mbele. Quels que soient les épreuves que tu rencontres sur ton chemin. Ingawa magumu. Quels que soient les formes de blocage qui semblent vouloir freiner ton passage. Ingawa hiyo vifungo vinapenda kushimamisha continue. Mwenendo wako. Endelea. Poursuis. Tembe. Avance. Endelea. Parce que derrière l'obstacle. Kwa sababu nyuma ya ton miracle. Derrière l'obstacle, il y a un Christ ressuscité. Derrière l'obstacle, il y a ta promotion qui t'attend. Parce que la Bible nous dit que lorsque ces femmes se posaient la question, Christ était déjà ressuscité. Donc parfois, nous nous freinons nous-mêmes. Parce que nous croyons que l'obstacle est plus fort que celui qui a fait la promesse. Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions réveiller notre foi. L'obstacle ne sera jamais plus fort que celui qui a fait la promesse. L'obstacle n'aura jamais la force d'arrêter la promesse de Dieu. L'obstacle n'aura jamais la force d'arrêter la puissance du miracle de Dieu. L'obstacle n'aura jamais la force d'arrêter la fidélité de Dieu. Alors toi et moi aujourd'hui comme ces femmes, nous regardons dans nos vies, nous voyons des obstacles. Nous voyons la très grande pierre. Mais est-ce que nous pouvons faire comme la Bible nous dit? Tunaweza kufanya kama vile Biblia inatuambia. Hébreux 11 verset 27 nous dit. Waibrania sura 11 mstari wa 27. Wanasema juu ya Musa. Que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ni kwa imani alitoka kumisri. Sans être effrayé de la colère du roi. Bila kuongopeshwa na kasirani ya mfalme. Car il se montra ferme. Kwa sababu alijionekanisha comme voyant ce qui est invisible. Alors toi et moi, nous sommes butés devant un obstacle. Nous devons nous montrer fermes. Comme si nous voyons ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est quoi? C'est le Christ ressuscité derrière la grosse pierre. Alors gardons nos yeux fixés sur la promesse. Car celui qui a fait la promesse, il le fera. Il le fera. Alors il y a cet obstacle devant toi. Et derrière, il y a la promesse de Dieu. Elle est déjà accomplie. Tout ce que tu as à faire, avance. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Parce que quand tu vas lever les yeux, tu vas voir que la très grande pierre a déjà été roulée. Tu vas voir que le grand-père là qui bloquait tes études est déjà mort. Tu vas voir que la personne qui ne voulait pas que tu aies ton diplôme est déjà renvoyée de l'université. Tu vas voir que cette personne qui ne voulait pas que tu entres dans ton mariage n'a plus d'effet sur ta vie. Parce que celui qui a fait la promesse, il le fera. Ce n'est pas à toi de savoir comment. Ce n'est pas à toi de savoir à quel moment. Quel est le moyen qu'il va utiliser. Tout ce que tu as à faire, crois en Dieu. Garde tes yeux fixés sur ce qui est invisible comme si c'était visible. Et avance. Avance. Que les obstacles ne t'effraient pas. Que les obstacles ne te fassent pas perdre la foi. Car derrière l'obstacle, derrière cette très grande pierre,
Na nyuma ya hiyo jiwe kubwa. Il y a un témoignage qui t'attend pour que tu le racontes. Kuna kuwa mchi, kuna kuwa parce que la Bible est en train de nous dire, Mungu anakuambia, après, nyuma, ces femmes, awanamuki, on leur a dit, waliwaambia, allez dire aux autres mwende mkaambia wengine, que le Christ uyu Christo, est ressuscité. Anesha fufuka. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? L'obstacle était là. Kikwazo mais derrière, lakini nyuma il y avait une histoire à raconter. Kulikuwa hadithi derrière, ya kupasha. Il y avait un témoignage à raconter. Nyuma kulikuwa ushuda. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, sasa, tu as des obstacles. Mpeto, tu te kikwazo. Rencontres avec des problèmes sur kuna ton chemin. Mais laisse-moi te dire, toi et moi, avançons, avançons encore. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse a déjà tout accompli. Et nous, nous avons une histoire à raconter. Nous avons un témoignage à raconter. Nous avons des vies à sauver par notre témoignage. Amen, amen. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, sasa mangaribia leo mpendwa, une seule chose, kitu kimoja tu, Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Donc, sur le chemin de notre destinée, katika njia ya uzima wetu wa usoni, sur le chemin vers la rencontre de notre promesse, katika njia yetu ya kukutana na ahadi zetu. Non, laisse-moi dire, sur le chemin vers la réalisation de la promesse de Dieu, acha nikwambie katika njia ya kutimilizika kwa mahadi za Mungu. Il y a des obstacles que tu peux enlever. Kuna kuwa mabishi mabikwazo bila unaweza kutosha. Il y a des obstacles que Dieu lui-même se charge d'enlever. Na kuna kuwa bikwazo bila Mungu mwenyewe anashajitoa kutosha. Face à ces obstacles que Dieu lui-même se charge d'enlever. Mbele ya hiyo bikwazo bila Mungu mwenyewe anaweza kutosha. Une seule chose ce soir. Kitu kimoja tu mangaribia. Crois en Dieu. Amini kwa crois Mungu. En celui qui a fait la promesse. Amini kwa ule aliyefanya ahadi. Continue à avancer. Na endelea avance. Mbele. Endelea mbele. Avance. Endelea mbele. Bien aimé, je t'encourage ce soir à avancer. Mupendwa, parce que ton témoignage t'attend. Kwa sababu la restauration t'attend. L'histoire de la restauration que tu dois raconter est derrière la pierre. Iyo hadithi ya kurekebeshwa inakuwa nyuma ya hiyo jiwe. Avance. Endelea mbele. Avance. Endelea mbele. Avance. Une seule pensée ce soir. La pierre devant toi sera roulée. L'obstacle sera enlevé. Tu entreras dans ta destinée. Tu vas saisir cet enfant. Tu le prendras dans tes bras. Ah, tu guériras de ta maladie. Tu seras béni. Tu seras prospère dans tes affaires. Tel que le Seigneur l'avait déjà dit. Que le manque de financement ne t'effraie pas. Que le manque de soutien des hommes ne t'effraie pas. Parce que même s'il y a un obstacle humain sur ton chemin, Dieu va l'enlever. Dieu va l'enlever. Mungu atakiondosha. Parce que ce qui intéresse Dieu, ile inamwelekea Mungu, ce n'est pas la pierre. Aiko jiwe, mais c'est ce qu'il y a derrière la pierre. Lakini ni ile nakuwa nyuma ya jiwe. Et ce qu'il y a derrière la pierre, na ile nakuwa nyuma ya jiwe, c'est pour toi. Ni kwa ajili yako. Et c'est pour moi. Na ni kwa ajili yangu. Car nous avons une histoire à raconter. Kwa sababu tunakuwa na hadithi ya kupashwa. Amen, amen. Amen. Ce soir, bien-aimé, mangaribia leo mpendwa, nous allons prier. Tuta omba. Nous allons prier. Tuta omba. Nous allons dire à Dieu. Tuta mwambia Mungu. Seigneur, Bwana, je reconnais qu'il y a des obstacles sur mon chemin. Ninatambua kwamba kuna kuwa majiwe kunjia yangu. Je reconnais qu'il y a des gens qui se sont levés contre ma bénédiction. Ninatambua kuna kuwa watu walisimama kwa ajili ya baraka yangu. Je reconnais qu'il y a des gens qui ne veulent pas me voir prospérer. Ninatambua kwamba kuna kuwa watu hawapende kuniona nikiwa. Je reconnais qu'il y a cette maladie qui m'empêche d'avancer. Ninatambua kwamba hiyo kuna kuwa hiyo magonjwa. Mais je sais une chose. Lakini najua kitu kimoja. Celui qui a fait la promesse. Ule aliyofanya est fidèle. Anakuwa mwaminifu. Est fidèle. Anakuwa mwaminifu. Il le fera. Atayafanya. Il le fera. Atayafanya. Il le fera. Atayafanya. Alors nous prions ce soir. Sasa, nous sommes en train de demander à Dieu. Mungu. Seigneur, Buan, puisque tu as fait la promesse, kwa sababu viens rouler la pierre qui est devant moi. Utoche, puisque tu as fait la promesse, kwa sababu enlève cette pierre qui m'empêche de saisir ma bénédiction. Utoche, enlève cette pierre qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. Utoche, enlève cette pierre qui m'empêche de vivre pleinement
réellement mon ministère. Enlève cette pierre. Enlève cette pierre. J'ai commencé l'œuvre. J'ai commencé à te servir. J'ai commencé à bénir les églises. Mais chaque fois que j'avance, il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'aller au-delà. Seigneur, ce soir, je désire que cette pierre soit enlevée. Parce que celui qui a enlevé la pierre, ce n'est pas un homme, mais c'est toi. Pour cette histoire, dans cette affaire, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Viens rouler la pierre. Viens rouler la pierre. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire pour moi ce soir. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire pour moi ce soir. Car si tu as roulé la pierre qui empêchait la résurrection, la pierre qui se plaçait entre la résurrection de Christ et ses femmes a été enlevée. Alors quelle est la pierre qui peut te résister, Seigneur? Quelle est cette pierre qui va te résister ce soir? Est-ce la maladie, Seigneur? Est-ce l'argent, Seigneur? Est-ce un homme? Non, Seigneur. Nous le déclarons ce soir. Personne, personne, personne n'est assez fort pour empêcher ta fidélité de s'accomplir dans nos vies. Personne n'est assez fort pour nous empêcher de saisir notre miracle. Parce que toi, Seigneur, tu te charges de la pierre. Tu te charges de la pierre. Donne-nous la force ce soir d'avancer. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer, Seigneur, malgré le les obstacles, malgré la haine des hommes, malgré les pièges que nous tendent les hommes, malgré la sorcellerie des hommes, malgré les malédictions des hommes, nous allons avancer, car nous avons un témoignage à saisir, nous avons une histoire à raconter, nous aussi nous avons besoin d'aller dire, le Christ a agi dans ma vie, le Christ m'a restauré, le Christ a béni mon ministère, le Christ a béni mon mariage, le Christ a béni mon travail. Christo. Merci Seigneur pour ce soir. Car nous croyons au Dieu. Et nous le déclarons. Nous le confessons. Aucun obstacle ne sera plus fort que ta fidélité. Et aucun obstacle ne nous empêchera de saisir notre bénédiction. Aucun obstacle. Aucun obstacle. Parce que celui qui est fidèle, parce que celui qui a fait la promesse, le fera. Le fera. Il le fera. Il le fera. Il te donnera des enfants. Tu entreras dans ton mariage. Tu saisiras ta promotion. Oh, tu vas avoir toutes ces extensions que Dieu t'a montrées. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il le fera. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Mungu atubariki tena mangaribi ya leo. Amen, amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes. Et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.